principe des clauses sociales, c'est le pied dans la porte. Il y a un donneur d'ordre, en l'occurrence la ville de Suresnes, qui, sur un certain nombre de marchés publics, que ce soit des chantiers de BTP, d'espaces verts, de nettoyement de voirie, vont imposer à l'entreprise qui répond au marché un certain nombre d'heures d'insertion par an. Ça va lui permettre de tester des salariés, de voir ce qu'ils donnent sur le terrain, potentiellement de les embaucher. À Suresnes, on est très fiers parce que chaque année, on fait plus d'heures que les années précédentes pour accompagner les jeunes et les moins jeunes vers l'emploi. L'année dernière, c'est 37 000 heures de travail qui ont été effectuées par les bénéficiaires à travers des clauses d'insertion. La particularité de Suresnes en plus, c'est qu'ils ont même créé un marché réservé pour de l'insertion. Sur du remplacement pour ceux dans les services de la ville de Suresnes. À la mairie de Suresnes, en fait, dans le service restauration, nous pouvons faire appel via un marché dédié à des structures pour renforcer nos équipes. Il nous arrive même à plusieurs reprises d'embaucher ces personnes qui ont été en insertion via cette structure et ensuite qui sont en contrat permanent chez nous. Ça se passe très bien. Après, c'est une question d'habitude, une question de formation de l'équipe aussi. Tout le monde est très bienveillant et puis les personnes qui viennent, on les forme sur le poste sur lequel elles doivent travailler. Souvent, nos agents ont même à cœur de leur montrer un petit peu plus pour ensuite leur donner le maximum de chances pour l'avenir. L'intégration d'une clause d'insertion dans un marché, qu'il soit public ou privé, c'est vraiment du gagnant-gagnant. Pour le bénéficiaire, c'est un travail rémunéré et accompagné. C'est un pas de plus vers un emploi durable. À Suresnes, on a fait des clauses d'insertion le fer de lance de notre politique emploi. Des facilitateurs accompagnent d'un côté les donneurs d'ordre et de l'autre, les entreprises candidates à un marché pour intégrer cette dimension à leur mémoire technique. Suite à attribution, elles travaillent avec les associations pour faire le meilleur matching possible entre le bénéficiaire et son futur job. La ville de Suresnes, elle contribue aussi à ce travail d'acculturation et de décloisonnement. Il y a aujourd'hui les Jeux Olympiques qui, par exemple, sont une des occasions donc de pouvoir sensibiliser sur les clauses, de pouvoir expliquer aux entreprises ce que c'est que la clause sociale. La RSE, le développement durable, elles savent toutes. Après, la partie insertion, ça peut être un peu plus nouveau pour certaines. Le fait qu'au sein de l'équipe de festateurs de la ville de Suresnes, on ait notamment une personne qui était chargée d'insertion au préalable, ça aussi c'est important parce que la logique de parcours, le festateur est garant d'une qualité de parcours, d'une vraie insertion durable. Avec la ville de Suresnes, on a plusieurs prestations. Tout ce qui va être costumes, chemises, donc ils sont traités par notre blanchisserie. On a une autre prestation au niveau des écoles où notre tournée récupère tous les tabliers pour un traitement également en blanchisserie, un traitement complet. Les travailleurs à l'ESAT arrivent parce qu'ils ont une notification délivrée par la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées. Ils arrivent à l'ESAT et signent un contrat de soutien et d'aide par le travail qui les engage et qui nous engage à les accompagner à la fois dans le travail mais également d'un point de vue éducatif et médico-social. L'avenir dépend finalement de leur projet, de ce qu'ils veulent. Je suis fier déjà, c'est de savoir que déjà j'ai des qualités que je ne connaissais pas ou j'ai des choses que j'aurais jamais pensé pouvoir avoir. Et ce qui est bien, c'est la relation avec le client. Je suis très fière d'être ici et puis travailler ici avec les moniteurs qui nous encadrent autour de nous. Je fais du repassage pour des particuliers, pour des entreprises. Oui, je suis fière de mon travail, ce que je fais, parce que c'est un travail que j'apprécie le plus. L'année prochaine, on se donne de nouveaux défis. On veut continuer à progresser sur les clauses d'insertion et pour ça, on va travailler spécifiquement pour les jeunes et pour l'égalité hommes et femmes à travers les clauses d'insertion. Pour en savoir plus, il faut contacter notre service emploi. Ils seront là pour vous recevoir, comprendre votre projet et la situation dans laquelle vous vous trouvez pour pouvoir vous accompagner vers une clause d'insertion ou vers un emploi plus durable directement.